rendre difficile la communication et la compréhension entre d'un côté les blancs, côté les jaunes et les noirs. Et entre parenthèses, qu'est-ce qu'il y a de commun entre les jaunes et les noirs? Ce serait une question subsidiaire. Enfin, sous-entendu. Bah, comme j'avais dit, moi, les différences de culture, les coutumes et voilà. Les codes aussi. Les codes aussi. Les codes de comportement à l'intérieur de chaque groupe. Ça, ce sont des banalités grosses comme une maison. Qu'est-ce qu'on dit? Ah ben justement, on va vous répondre. Il y a des choses à dire. Bon, moi, je ne sais pas. A priori, il y a plusieurs facteurs. C'est pas que la couleur de peau. Non, puis une adaptation d'intégration aussi par rapport à un pays à un autre. Qu'est-ce que ça pense? Écoutez, si j'ai lancé le sujet sur les races, ouais, c'est pas pour parler de problèmes de culture, machin truc, etc. Mmh. Hein? Parce qu'autrement, c'est du... Bah, c'est pas l'apparence physique externe, parce qu'elle est visible. Un blanc, c'est un blanc. Ah, un blanc, c'est un noir. Bien sûr. Et tous ces êtres humains avec des... Les sous-groupes, arrêtez, voilà. Mais je ne sais pas. Pourquoi l'apparence extérieure ne serait pas importante ici? Moi, je vois pas un point. Un noir serait inférieur à un blanc. On a parlé d'infériorité. Mais si, parce que dans ton discours, on n'a pas parlé d'infériorité, on a parlé de difficulté de communication. On a parlé de race, déjà. Non, alors déjà, tu me laisses tranquille avec ton comportement. Gueule, si tu n'as pas envie de participer à ça... Non, mais c'est le comportement. C'est peut-être aussi Philippe, c'est peut-être l'assimilation aussi des cultures. Mais voilà, c'est les instructions de dialogue, etc. Ils sont assez solides pour discuter, ils vont ailleurs, hein. Je suis désolé. Non, mais je veux dire qu'ils ne pourraient quand même pas réagir. Bon, François, qu'est-ce que tu pourrais dire là-dessus? Alors, on parle d'infériorité. Non, il a parlé des modes de communication. On parle pas de généticien, on parle d'un fait empirique. Empirique. Voilà, les gens sont comme ça. C'est pas la question de savoir si ça s'explique ou si ça s'explique pas. Voilà. Il n'y a pas d'infériorité ni supériorité. C'est qu'on va entendre toutes sortes de conneries de ce genre. Des trucs des culture. Mais qui est-ce qui a parlé de culture? Tu veux parler de culture? C'est eux qui ont parlé de culture. La question, c'est quand même qu'il y a une différence d'analyse de la certaine situation. Non, j'ai parlé de communication. Communication, il a dit. Est-ce que vous avez... Voilà. En quoi il y a une différence de communication? Alors là, vous avez remarqué peut-être, entre parenthèses, que souvent les Noirs aiment bien se retrouver entre eux? Bien sûr. Ou les Jaunes entre eux? Bien sûr, on regarde. Est-ce que c'est par hasard à votre avis? Non. Bon, blanc aussi, c'est déjà, pareil. Déjà. Mais c'est pareil aussi. Ouais, mais, c'est... mais justement, ça montre bien que chacun a un mode de communication différent. Bien sûr. Oui, tout à fait. Tout à fait. Oui, Jacques, oui, bien sûr. L'être humain est social, donc il aime se retrouver dans des groupes. Non, mais il se replie quand même par rapport à sa communauté. Non, mais il a raison. C'est ça que je veux dire, Jacques. Non, mais j'ai compris. Il y a le code. C'est lié. Ben oui, les Africains, ils ne mélangent pas. Ils restent toujours ensemble. Ça, c'est encore autre chose. Non, mais okay, on vous a prévenu. Là, tu dérives sur autre chose. Et on va vous demander d'être un petit peu plus calme par rapport à ça. Hein, et d'éviter vos problèmes de racisme, etc. Vous êtes en train de parler calmement de cette question. Compris le racisme. Hein, et alors, si vous ne pouvez pas communiquer là-dessus, vous abstenez. Moi, j'ai pas de problème. Bon, alors, d'accord. Alors, vous ne nous lancez pas des trucs infériorité ou je ne sais pas quoi. Oui, compris le racisme. On n'est pas en train de parler ça. Non, mais pas par rapport à ça. On n'est pas non plus en train de faire une analyse de la raison des profondes des races. Alors, on constate simplement des faits. Sociaux. Des faits sociaux. Ah, sociaux. Hein? Des faits de communication sociale. Des faits de communication sociale. Oui, mais pourquoi les gens préfèrent se retrouver entre groupes de gens de même? Pourquoi? Les gens se sentent plus sécurisés entre eux. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Parce qu'ils ont des codes spécifiques dans chaque voilà, groupe. Justement, quelle est la différence des codes? Alors, ces codes spécifiques, comme tu dis, Philippe, bon, moi, je vais dire ma version. Je pense que les gens se retrouvent par rapport à leurs origines, c'est-à-dire d'où ils viennent. D'où ils viennent par rapport à leur mode des cultures. Mais la réunion! Et des origines. C'est ça que je veux dire. Voilà, c'est ça, Philippe. Voilà. Donc, c'est lié à ça, tu comprends? Voilà. Et par rapport à ce que veut dire Jacques, ensuite. Comment pour s'adapter après dans la civilisation occidentale, voilà, occidentaux, voilà. Ou dans la civilisation africaine, bien sûr.